Zou et le parcours à vélo. Alors, les enfants, est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les yeux? Oui! Bien, vous pouvez les ouvrir. Wow. Wow. Voilà ce que j'ai préparé rien que pour vous. Ça vous plaît? Oh oui! Ce parcours vélo est super! Oh, merci, j'en suis plutôt fier. Est-ce que tout le monde a apporté son vélo? Oui! Moi, je suis venue en trottinette. Le parcours peut aussi se faire en trottinette. Ah. Aujourd'hui, vous allez apprendre à bien maîtriser votre vélo ou votre trottinette. Mais d'abord, il faut penser à votre sécurité. Tout le monde met son casque. Bien, j'ai du travail, donc je reviendrai tout à l'heure. Ils sont tous à vous, Zoé. Oh. Bonjour! Tu as l'air drôlement pressé, Zinia. Ah, ça oui! C'est parce que j'ai un nouveau vélo qui va très très vite. Oh, il a l'air très rapide, en effet. À tout à l'heure. J'y vais, moi aussi. Allez, viens, Zinia. Va garer ton vélo avec les autres et je vous montre le circuit. Vous devrez partir d'ici, du plot avec le drapeau jaune. Puis, vous rejoindrez l'autre côté du terrain en essayant d'éviter les plots. Où est-ce que t'as acheté ton vélo, Zou? Il était à papy. C'est lui qui me l'a donné. Non, je comprends mieux. Il est super vieux, non? T'es sûre qu'il roule encore? Ne l'écoute pas. Elle est juste jalouse parce qu'il n'y a pas de panier sur le sien. Oui. Bon, les enfants, vous m'écoutez un peu. Le plus important, c'est de toujours bien maîtriser son véhicule, quel qu'il soit. Vous allez donc commencer par passer entre ses plots en faisant des zigzags. Oh, mais sans les faire tomber, c'est ça? C'est ça, exactement. Il va falloir rouler avec prudence. Alors, qui veut commencer? Zou, tu veux y aller? D'accord. Attention, est-ce que tu es prêt? Top! Oh, ne sois pas déçu, tu t'es drôlement bien débrouillé, Zou. Et c'est normal de faire tomber au moins un plot, tu sais. Ce parcours est presque impossible à réussir sans faute la première fois. Allez, à ton tour, Elsée. Attention, tu es prête? Top! Oh, félicitations, Elsée. Tu n'as fait tomber qu'un seul plot. Impressionnant. Vous avez déjà un très bon niveau, les enfants. Hein? À moi. Tu penses que tu peux faire mieux, Zinia? Bien sûr. Regardez, vous verrez. Oh, j'ai hâte de voir ça. C'est bon. Attention. Je suis prête. Top. Yeah. Oh, bien joué, Zinia. Très impressionnant. Tu es une cycliste particulièrement douée, dis-moi. J'ai fait du vélo quand j'étais en colonie l'été dernier. J'en faisais tous les jours. Eh bien, on dirait que ça t'a réussi. Oui, enfin, il faut dire que ce circuit est facile. C'est dommage que Zou et Elsée n'aient pas pu s'entraîner autant que moi. Mais ce n'est pas une compétition. Heureusement pour toi, tu n'aurais aucune chance avec ton vélo. Hé hey! Papy a gagné plein de courses avec ce vélo. Allons, allons, nous ne sommes pas là pour comparer nos vélos, mais pour apprendre à nous en servir. Et tout le monde n'a pas encore essayé. Tu es prêt, Zach? Je crois. Attention, tu es prêt? Top! Oh. Oh là là, mais où vas-tu, Zach? Le parcours est par ici. Zach! Waouh! Vous avez vu comme j'ai été rapide? Oui, ça c'est sûr, Zach. Et je suis même pas tombée. Oh, ça va mieux, hein? Oh, oh non. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On tentera un autre exercice demain. Alors, ça vous a plu? C'était pas mal. Qu'est-ce qui ne va pas, Zou? Oh, rien du tout. C'est que je crois que je ne serai jamais un champion de vélo comme toi. Voyons, je suis sûr qu'avec un peu de pratique, tu pourras gagner plein de courses. Mais il faut t'entraîner d'abord. Oui, mais je n'ai pas un vélo qui va super vite comme Zinia. Le vélo ne fait pas tout, tu sais.
Je vous le dis, le secret, c'est de s'entraîner. Si tu es d'accord, je peux t'aider à devenir un as du vélo. Oh oui, papy, ce serait chouette. Je suis contente que tu aies retrouvé le sourire. Vroom, 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 vroom. Je peux y aller maintenant? Un peu de patience, Zou. C'est la première qualité de tous les grands champions. Allez, vas-y. Slalom entre les bûches en faisant bien attention. Oh, j'y arriverai jamais. Mais si, voyons. Crois-tu que les véritables champions abandonnent dès qu'ils essuient un échec? Mais c'est pas mon premier échec. J'ai pas réussi non plus au gymnase. C'est normal. Avant de réussir, il faut souvent échouer plusieurs fois. Pense à un oiseau qui apprend à voler. Crois-tu qu'il sait voler dès sa naissance? Pas du tout. Il doit tomber bien souvent du nid avant de réussir à voler de ses propres ailes. Je vais réessayer. Continue! Mais relève un peu la tête et regarde au loin, tu verras mieux les obstacles de cette façon. Oui, tu as raison, papy. Continue comme ça. Oh! Oui, excellent travail, Zou. Et n'oublie pas de te tenir droit et de regarder loin devant toi. Bonjour, Xavier. Zelda. Bonjour à tous. Nous sommes venus voir notre petite Zinnia. Il paraît qu'avec son vélo, elle fait des merveilles. Ah, bonjour les enfants. Au fait, j'ai eu un peu d'aide pour établir le parcours du jour. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, j'ai apporté quelques modifications. Vous allez pouvoir être deux à réaliser le parcours en même temps. Je me suis entraînée dans le jardin avec mon papy. J'espère que je me suis améliorée. On verra. On va peut-être pouvoir faire une vraie course cette fois-ci. Oui, excellente idée. Comme je vous l'ai dit hier, ce n'est pas une course. Ce circuit est fait pour vous apprendre à maîtriser vos vélos. Mais on pourrait quand même faire une petite course. Allez, dis oui. S'il te plaît, Zoé. Eh bien, si vous êtes tous d'accord, dans ce cas, je le suis aussi. Ouais. Tu vas voir, Zinnia, je me suis améliorée depuis hier. Oh, oh non, ma chaîne. Tu parles d'un vélo de champion? Il est déjà cassé alors que la course n'a même pas commencé. Ne t'en fais pas, Zou, c'est juste la chaîne. Laisse-moi une minute pour la réparer. Dis, papy, est-ce que c'est vrai que tu as gagné des courses avec ce vélo? Je trouve pas qu'il ressemble à un vélo de course. Bon, si, bien sûr que j'ai gagné quelques courses avec cette vieille bicyclette. Et toi aussi, bientôt. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Reste calme, lève le menton et regarde bien droit devant toi. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, papy. Ça tombe bien, ton vélo est réparé. Il est comme neuf. Tu as fait vite. Très bien. Attention. Prêt? Partez! Oh. Allez, Zou! Voilà, vas-y, continue comme ça. Oui, vas-y, oui, vas-y. Bravo, Zinnia, allez. C'est moi qui vais gagner. Vas-y, ma chérie, allez. Tu es la meilleure. Lève la tête, Zou! Zinnia, arrête-toi! Eh bien alors, Zinnia, tu n'as pas vu le panneau stop? Tu as freiné trop tard. Tu dois recommencer le parcours depuis le début. Quoi? Depuis le début? Oh non! Elle est pénalisée parce qu'elle est plus rapide! Pas du tout, c'est la règle. Si Zinnia s'était concentrée sur sa conduite et avait regardé devant elle, elle se serait arrêtée. Et c'est Zou qui l'emporte! Oui! Oui! Bien joué, Zou! Félicitations, tu as tout compris à cet exercice. Quand on roule, il ne suffit pas d'être agile ou d'aller vite. Il faut aussi connaître et respecter les règles du code de la route. Oh, bien joué, Zou. Merci, Zinnia. La prochaine fois, je te battrai. Parce que l'été prochain, je retourne en colonie et je compte bien m'entraîner encore plus. Zou,
J'étais sûre que t'allais gagner. J'ai gagné ma première course. Et sûrement pas la dernière.